une vidéo un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui donc du coup je vais vous filmer donc la night routine, donc J-1 avant la rentrée. Donc ça me tenait à cœur de vous filmer ce genre de vidéo, donc je pense que je vais faire un petit mélange de vlog et vidéo un peu en mode je vais filmer et puis je vais vous faire une petite voix off. Voilà, je vais faire un petit mélange des deux. Donc là il est actuellement 17h05. Donc je commence à partir de maintenant, voilà, j'estime que je peux commencer maintenant. Donc il ne s'est rien passé de spécial depuis ce matin, donc on s'est levé de bonne heure parce qu'on attendait donc du coup une livraison de courses. Et ensuite on a fait le cours de notre journée tout à fait normalement, ménage et tout ça. Voilà, donc là du coup les enfants sont dehors et le chéri aussi, il profite du coup du soleil et puis du dernier jour de vacances, parce que mine de rien voilà, ça y est, on y est, la rentrée donc est demain. Et moi j'étais donc du coup occupée ici en train de faire les petites paperasses pour la rentrée, etc. Je suis désolée si vous avez un petit, une petite lumière ici, hop, je vais essayer de, voilà. Donc oui, comme je disais, j'étais en train de préparer tranquillement du coup les documents qu'il y aura besoin pour l'école. Donc notamment les titres de transport provisoire pour les enfants, parce que nous n'avons plus de voiture. Voilà, je vous expliquerai ça du coup dans un vlog un petit peu plus en détail. Mais nous n'avons plus de voiture, donc je ne peux pas emmener les enfants à l'école, enfin du moins pour Enzo et Noan, parce que leur école est un peu plus loin, elle est à peine 3 km. Voilà, donc du coup j'ai imprimé les titres de transport qui sont ici pour les deux garçons. Et j'ai imprimé également les attestations scolaires voilà, pour les enfants. Voilà. Donc là du coup en fait je suis venue commencer à faire la liste en fait des courses. Voilà, donc je viens faire ça tranquillement. Je ferai les courses je pense début de semaine prochaine. Mais voilà, vu que j'avais pas grand chose à faire, je me suis dit pourquoi pas du coup commencer à noter les idées de courses. Et là du coup je suis allée faire un petit coucou aux enfants et au chéri. Comme vous pouvez voir du coup le chéri est en train de tondre. En fait c'est de la pelouse qu'on avait déjà tondue, mais il est en train du coup de la remouliner plus finement pour mettre ça donc pour les poules. Donc voilà, il y a les enfants qui s'amusent tranquillement. Maïli qui fait un petit coucou au passage aussi. Enzo en mode tranquille. Voilà, du coup les enfants y profitent, il y a du soleil, c'est le dernier jour de vacances. Je vous reprends du coup, là je vais me mettre à plier cette grosse panière de linge parce que j'avais mis du linge donc à sécher cet après-midi vu qu'il faisait beau. Donc du coup je vais faire ça avant de faire rentrer les enfants, de leur couper les cheveux et de les mettre à la douche. C'est parti. Ah là là, c'est tout un art le pliage, comme vous pouvez le voir. Je suis motivée. Bon, bah voilà, ça y est, la panière est remplie, le linge est plié maintenant, mais il n'y a plus qu'à le monter. Du coup, je vous reprends dans la chambre de Maëlie. Voilà, donc une fois que mon linge est plié, monté, je suis un peu essoufflée. du coup, je vais venir ranger un peu les chambres qui traînent un peu partout. Voilà, même si je sais qu'ils vont défaire quelques petits trucs après. Mais j'ai vraiment rangé donc du coup le plus gros, parce que là la chambre à Maëlie c'est vraiment le bazar complet. D'habitude c'est eux qui rangent, mais là je me dis exceptionnellement, et puis ce soir voilà, ça m'arrive de ranger aussi de temps en temps.
Voilà, donc du coup je m'attelle au rangement des petits trucs qui traînent par-ci par-là et ensuite ce sera coupage de cheveux et la douche. Et voilà, ça c'est fait, c'est rangé. Donc maintenant, on passe à la coupe. Donc je viens tondre les cheveux, hein, tout simplement. Je suis avec une tondeuse. Ça fait un petit moment que je l'ai, donc je pourrais pas vous redonner la référence. Mais franchement, voilà, rien de plus simple pour des garçons. Donc là, je ne fais pas de coupe particulière. Enfin, d'habitude, je fais un petit peu plus long au-dessus et plus court sur les côtés. Mais là, les garçons n'avaient pas forcément envie. Donc voilà, j'ai fait au plus simple. Voilà. Et maintenant donc du coup c'est au tour de Enzo. Donc vous allez voir, Enzo il bouge un petit peu plus, hein. Il craint un petit peu plus la tondeuse, il aime pas trop ça quoi. Voilà, donc une douche et un repas plus tard, on se retrouve donc du coup dans la salle de bain avec donc les enfants qui sont en train de se brosser les dents. Donc je vous ai pas filmé un moment du repas parce que voilà, je trouvais pas ça non plus extrêmement intéressant. Mais pour ce soir, on a fait simple, on a fait saucisse de Strasbourg avec de la semoule. Voilà, les enfants ont voulu manger ça, ça a été simple et rapide. Voilà, donc après manger, ils se sont un petit peu occupés à jouer dans leur chambre. Et puis maintenant, du coup, c'est passage à la salle de bain avant d'aller se coucher.
donc ça y est, les loulous sont prêts. On va où là maintenant? Au lit. Au lit. Alors, on dit quoi aux abonnés? On souhaite une bonne journée. Non, une bonne rentrée. Oui, mais d'abord une bonne nuit. Voilà. Oui. Une très bonne nuit à tous. Dormez bien. Voilà. Ne faites pas trop de cauchemars. Ne faites pas trop de cauchemars. Ensuite, bah, une bonne rentrée à tous, c'est ça? Oui. Ouais, allez. Let's go, chacun dans son lit. Allez, oui, c'est parti. Oui. Allez, c'est bon les garçons? Vous êtes au lit? Oui. Ouais. Allez. Vous êtes pressés pour demain? Oui. Oui. École. Allez. Une bonne nuit, Noan. Bonne nuit. Allez, bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Allez. Hop, Enzo. Bonne nuit à tous et mettez plein de pouces. Bah oui, mais ça c'est bien ça. Et allez. Et abonnez-vous. Oh, encore oui. Allez, on va faire un petit bisou. Hop, je vous pose la caméra du coup. On va aller voir Lily après. Ah oui, ça c'est très important. Allez, un petit bisou à chacun. Hop. Allez, cette demoiselle, elle est prête. Hop, au dodo. T'es pressée pour demain? Oui. Ouais. Tu vas retrouver moi, les copines. Licorne. Ah oui, t'as une cartable licorne. Attends, parce que ta mèche là, hop, elle part en sucette. Voilà. Allez, bonne nuit à tous. Bonne nuit. Bonne rentrée. Bonne rentrée. Allez. Et là, du coup, c'est le petit moment. Câlin, bisous, bonne nuit, je t'aime. Voilà, comme tous les soirs. Un petit moment passé comme ça. Donc, on commence d'abord par Lily. Bonne nuit Maëlie. Et au tour des garçons, bisous, câlins, je t'aime. Voilà, pareil. C'est toujours notre petit moment à nous. Même si c'est un tout petit moment assez court. Mais voilà, c'est notre petite habitude. On est obligé de passer par cette étape. Bonne nuit aussi les garçons. Et là donc du coup je suis en fait venue préparer les vêtements donc pour la rentrée. Donc je mets toujours ça voilà dans le salon comme ça ils ont chacun leur pile. Et je viens donc du coup également déposer les cartables à l'entrée avec les gilets jaunes et les masques pour les garçons. Et les chaussures également. Et ici, donc, je suis venue préparer, enfin, entre guillemets, préparer le petit déjeuner. Voilà, tout ce qui est frais reste au frais, bien entendu. Mais voilà, ça me permet de gagner un petit peu de temps pour le matin. Heureux, donc, du coup, je vais vous laisser maintenant. Il est 22h43, donc, je suis en train de continuer à faire le montage, donc, du coup, de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Voilà, donc je vous ai partagé globalement à peu près notre petite routine donc, de la veille de la rentrée. Je vous ai vraiment pas tout intégré parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps et voilà, il y a des choses qui étaient sans intérêt. Voilà, donc du coup je vais vous laisser là. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou un vlog. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne rentrée. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao !